il est là. Est-ce que tu peux acclamer, il est là, celui qui est présent, il est là. Est-ce que tu peux acclamer, il est là, celui qui est présent, il est là. Est-ce que tu peux célébrer, de toutes tes forces, de toute ton âme. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux l'accueillir? Est-ce que tu peux volonté du Père, oh Dieu. Il est là. C'est toi qui sais ce qui est attendu. Il est là. C'est pour cela que nous t'invoquons. Il est là. C'est pour cela que nous te désirons. Il est là. Saint-Esprit, prends toute la place. Il est là. Alors oui, tu es là. Il est là. C'est ta parole qui nous le confirme, oh Dieu. Il est là. Je dis que si deux ou trois s'accordent, Seigneur, il est là. Si deux ou trois s'assemblent en ton nom, il est là. Alors Seigneur, tu manifestes ta puissance, ta il présence. Est là. Et là, nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois. Il est là. Seigneur, tu as un peuple attentif. Il est là. À ce que tu vas faire. Il est là. Que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Il est là. Ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Il est là. Seigneur, laisse que nos cœurs s'expriment ce soir. Il est là. Pour te montrer à quel point nous avons soif de toi. Il est là. Seigneur, oui, tu es là. Il est là. C'est toi qui as convoqué. Il est là. Seigneur, cette réunion, Seigneur, cette convocation sur la terre. C'est toi qui l'as inspiré à ton serviteur. Il est là. Alors nous savons que
âme. Il est là. Et tu l'as donné parce que tu voulais venir à la rencontre de ton peuple. Il est là. Tu voulais venir à la rencontre des assoiffés. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Même toi qui es connecté, le Saint-Esprit est là. Il est là. Si vous êtes de toi, il est là, il est là, il est là. Chercher. Il est là. C'est les nuits où nous sommes en train de soupirer. Il est là. Seigneur, parce que nous voulons nous rappeler ce que Jésus a fait. Il est là. Alors Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Il est là. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Il est là. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Il est là. Ton œuvre de révélation, ton œuvre de transformation. Il est là. Ton œuvre de guérison et de restauration. Il est là. Quoi que ce soit, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, nous t'acclamons car tu nous conduis, oh Dieu. Tu nous conduis selon qu'il est écrit, oh Dieu. Je vous conduirai, je vous montrerai la voie que vous devez suivre. Seigneur, nous avons besoin que tu nous montres la voie à suivre. Nous avons besoin que tu nous conduises cette nuit. Que tu nous remplis afin de nous conduire. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Kayabasata, kayabaseta. Seigneur, nous t'invitons. Nous voulons te voir, oh Dieu de gloire. Nous voulons te toucher, oh roi des rois. Tu admets en ta présence. Il est là. Tu as dit heureux le peuple que tu admets en ta présence. Il est là. Nous sommes attentifs, attentifs, attentifs. Il est là. De ce que tu vas dire, de comment tu vas faire. Il est là. Saint-Esprit, prends le contrôle. Il est là. Saint-Esprit, prends le contrôle. Il est là. Désireux de te voir, désireux de te toucher. Il est là. C'est ce peuple qui est en train de s'exprimer devant toi. Il est là. C'est ce peuple qui est en train de monter ses soupirs. Il est là. Ses soupirs au trône de la gloire. Il est là. Kayare baba sota, kayare baseta. Il est là. Ah Seigneur, nous sommes venus contempler ton œuvre. Kayabare basata, kayaba sota. Il est là. Ah bien-aimé, je ne t'entends pas soupirer après lui. Il est là. Je ne t'entends pas lui dire, Seigneur, viens et agis. Il est là. Seigneur, viens. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier mon Dieu. Viens glorifier le roi. Saint-Esprit, c'est de toi que Jésus parlait lorsqu'il disait.
Dieu, que je m'en aille. Il est là. Parce qu'il y en a un qui va venir. Il est là. Mais qui pourra être en toi et en toi en même temps. Il est là. Il s'agit du glorieux Saint-Esprit. Il est là. Oh, glorieux Saint-Esprit. Il est là. Magnifique Saint-Esprit. Il est là. Magnifique Saint-Esprit. Il est là. Seigneur, nous te voulons. Il est là. Seigneur, nous te voulons. Il est là. Seigneur, nous te voulons. Il est là. Seigneur, oui, nous te voulons. Il est là. Oh, oui, il est là. Il est là. C'est toi, Seigneur, qui prépare la voie. Il est là. C'est toi, Seigneur, qui prépare le chemin. De délivrance. Tu es là, Seigneur, pour assujettir toutes choses. Tu es là, Seigneur, pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu es là pour redonner de la vitalité à notre corps. Tu es là, Seigneur, pour nous donner de la connaissance. Tu es là, Seigneur, pour juger les méchants. Pour juger les bras des méchants. Tu es là pour briser les jougs sur les vies. C'est pour cela que tu as été envoyé. Tu es la puissance de Jésus manifestée. Tu es la puissance, oh Dieu de gloire. Tu es là. Seigneur, tu es puissant toutes choses. Tu es là. Seigneur, oui, tu es là. Tu es là. Ayareba sata kayabaso. Tu es là. Seigneur, tu es là depuis le premier jour de ces sept nuits. Tu es là depuis la première heure de ces sept nuits. Parce que Seigneur, tu veux préparer. Tu es là. Ah Seigneur, oui, tu es là. Tu es là, Seigneur, pour briser les chaînes. Tu es là pour libérer les captifs. Tu es là. Ah Seigneur, tu as commencé une extraordinaire depuis une semaine. Tu es là. Depuis six jours déjà, chaque soir tu agis. Tu es là. Depuis six jours, Seigneur, chaque soir tu nous rappelles tu la puissance de l'œuvre achevée de Christ. Tu es là. Oh Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Parce que Jésus a dit de toi, en parlant de toi. Tu es là. Il a dit, viendra vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Tu es là. Ah Seigneur, depuis six soirées, cinq soirées tu déjà. Seigneur, pendant cinq soirées, tu nous as rappelé ce que Christ tu a accompli. C'est pour cela que tu es, tu es là. Pour garder notre mémoire vivace. Tu es là. Afin que nous n'oublions pas ce que Jésus a tu fait. Es là. Seigneur, oui, tu es, là. Tu es là. Encore ce soir, nous voulons nous souvenir. Tu es là. Encore ce soir. Nous voulons expérimenter. Encore ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Encore ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir, oh Dieu. Nous voulons te voir, oh Dieu. Seigneur, c'est pour cela que tu es là. Jésus a dit, il viendra vous rappeler. Il va vous rappeler. Il viendra vous montrer la voie. Tu es là. Nous ne sommes pas déshérités parce que tu es là. Seigneur, tu es notre avantage. Tu es le gage de notre héritage. Tu es le gage de notre héritage. Seigneur, oui, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Kayabeba
sota kaya basete. Tu es là. La puissance du Père. Tu es là. Pour démontrer la réalité de la croix. Tu es là. Pour démontrer la réalité de la croix. Tu es là. Ah, Seigneur Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. C'est pour cela que Jésus t'a appelé son avantage. Là. Il a dit, vous avez un avantage. Tu es là. Oh Seigneur Saint-Esprit. Tu es là. Magnifique Saint-Esprit. C'est pour cela que ce soir encore, Seigneur, tu vas briser le joug de l'ignorance. Tu vas faire disparaître les ténèbres de l'ignorance. Parce que lorsque tu es là, la vérité est là. Lorsque tu es là, la vérité est manifeste. Elle est manifeste en parole et en action. Tu es là pour rendre la vérité palpable. Tu es là pour rendre la vérité tangible. Tu es là pour que la parole devienne vie. Tu es là. Oh oui, Saint-Esprit. Tu es là. C'est toi qui prends le logos et le transforme en réma. Tu es là. Seigneur, c'est toi qui prends la parole écrite. Tu es là. Et elle devient chère en nous. Tu es là. C'est toi qui fais ces choses, oh Dieu. Tu es là. Parce que c'est toi qui es capable de convaincre tu les es cœurs. Là. Du Père audible. Tu es là. Oh oui, Saint-Esprit. Tu es là. C'est pour cela que tu es appelé admirable conseiller. Tu es là. Parce que tu rends ta voix audible, audible. Tu es là. Seigneur, oui, tu es là. Tu es là. Et nous nous sentons privilégiés de t'avoir. Tu es là. Nous nous sentons privilégiés d'être dans ta présence. Tu es là. Nous nous sentons privilégiés d'être là tu avec es toi. Là. Honoré que tu nous aies invités. Parce que c'est toi qui nous as convoqués. Ah oh, Seigneur, mais tu es là. Seigneur, et lorsque tu convoques, ce n'est pas pour que nous repartions bredouille. Si tu nous convoques, Seigneur, c'est parce que tu veux nous donner. C'est parce que tu veux faire des choses. C'est parce que tu veux montrer des choses. Alors Seigneur, mais tu es là. Sota kaya mareba seta. Tu es là. Kaya reba sota kaya reba sota. Tu es là. Seigneur, nous te contemplons. Tu es là. Kaya reba sota. Tu es là. Nos regards sont fixés sur toi, Esprit de Jésus. Tu es là. Nos regards sont fixés sur toi, Esprit du tu Père. Es là. Nos regards sont fixés sur toi. Tu es là. Nous ne voulons pas détourner nos regards au nom, Seigneur. Tu es là. Nous voulons faire comme Élisée qui était fixé sur Élie. Tu es là. Élie dit à Élisée, mon fils, si tu me regardes, si tu me vois tu monter, es là. Ah, ce que tu as demandé, tu le recevras. Tu es là. Oh Seigneur, oui, tu es là. Tu es là. Mon regard ne se tourne pas à droite ni à gauche, non. Tu es là. Moi, je garde mes yeux fixés sur toi. Tu es là. Je garde mes yeux fixés sur toi. Tu es là. Sotakaya bare baseta. Tu es là. Oh Seigneur, oui, tu es là. Tu es là. Kaya baro baseta kaya. Oro baseta kaya baso. Tekeya bare basata kaya baro baseta kaya. Atekeya baro basete. Areba sotakaya. 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 Tu es là. Oh oui, tu es là. Tu es là.
Est-ce que tu peux élever la voix par l'esprit? Est-ce que tu peux juste élever la voix par l'esprit? Et parler par l'esprit, soupirer par l'esprit, chanter par l'esprit. Areba sota kaya baba reba se, tokoya baba baba sata, areba baseta kaya. Est-ce que tu peux saturer ce lieu en parlant par l'esprit, en parlant par l'esprit, en chantant par l'esprit, en soupirant par l'esprit? Areba sota et teke areba baba sata, areba baba sota kaya, ateke areba baba sota, ataka baro baba seta. Prie par l'esprit, prie par l'esprit, prie par l'esprit. Et ya baba ro baba sota kaya re baba seta, are baba sonda koya re. Et te ke ya baba re basa, ataka baro baba sota kaya re baba seta kaya. Oto koya baba re baseta kaya baba ro baba sete, ataka baro baba sota kaya, ere baba sota kaya re. Kaya baba ro baba seta, are baba sota kaya no, are baba sata kaya te. Et te ke ya re baba sata. Kaya roba basanda kaya baba, atika baroba baseta, hare baba sanda koya baba roba baseta kaya ro, etika ya baba sanda ko, hare baba seta kaya re, ataka baroba baseta kaya baba sonda kaya baba sete, roba basanda kaya ba, etika ya baroba sota kaya baseta, hare baba sanda kaya ro. Ya baba roba satakaya, ya baba satakaya, ya baba satakaya, ya baba satakaya, ya baba satakaya. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es là. Alléluia, alléluia. Yareba sata, areba sota kaya, areba seta, areba basota kaya, areba se. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la sixième soirée. Sixième soirée où nous venons dans la présence du Père. Soirée où l'Esprit de Dieu nous a emmenés, pas seulement à nous remémorer, non, mais à expérimenter ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et qui dit expérience, dit forcément tu as touché. Et qui dit touché, dit forcément témoignage. Alors s'il y a quelqu'un qui sait que Dieu l'a touché, est-ce que tu peux juste acclamer? Est-ce que tu peux juste acclamer? S'il y a quelqu'un qui peut témoigner de ce que au moins une soirée, le Seigneur a touché ton corps, le Seigneur a touché ton cœur, le Seigneur a touché ton intelligence. Si tu es là, alors tu peux au moins acclamer. Acclame-le juste pour dire merci. Seigneur, merci de ce que tu as inspiré, c'est cette soirée. C'est cette soirée du Saint-Esprit. C'est cette soirée où tu t'es manifesté. Cette soirée. Pourquoi je dis témoignage? Vous savez, que quelqu'un dise la présence de Dieu est extraordinaire. Mais je ne sais pas pour toi qui est en présentiel ou en connecté. Mais il y a une chose que j'ai expérimentée pendant ces sept soirées. Et ça m'a rappelé le verset de David, le psaume de David. Le psaume 27, quand il dit, au verset 4, quand il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. L'expression ardemment m'a parlé particulièrement pendant ces sept soirées. En fait, c'est que chaque soir, j'avais ce besoin ardent de venir dans sa présence.
chaque soir, c'était de plus en plus. Premier soir, le lendemain, je dis, Seigneur, on y va. Deuxième soir, Seigneur, on y va. Troisième soir, c'est que j'avais l'impression que mon cœur pressait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le désir d'être dans sa présence. Au-delà des guérisons, au-delà des... Il y avait quelque chose qui m'attirait. Et ce qui faisait que quand je rentrais à la maison, j'aurais écouté encore. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa présence. J'avais envie de passer les soirées, je les passais d'ailleurs. C'est que quand je rentrais, je ne dormais pas avant 3 heures du matin. Parce que j'ai là, je dis, je viens devant ton trône, Seigneur. Je ne sais pas pour toi. Ta présence. Je viens devant ton trône, Seigneur. Il y avait cette soif pour te rencontrer. Ça finissait pas en fait. Quand on sortait d'ici, j'avais envie de repartir dans sa présence. J'avais envie de repartir. Je viens devant ton trône, Seigneur. J'avais envie pour te rencontrer. Oui, pour admirer ta sainteté. Je viens devant ton trône. Il y avait cette soif pour te rencontrer. Il y avait ce désir. Et pour admirer. Il y avait cette quête. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une soif qui a augmenté. Il y a une faim qui a augmenté. Il y a un désir. Je viens devant ton trône. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé en toi? Est-ce qu'il y a cette soif qui a grandi? La révélation de la croix. Est-ce que le fait de savoir ce que Jésus a fait pour toi, est-ce que son amour a augmenté pour lui? Est-ce que ton amour pour lui a augmenté? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a grandi en toi? Est-ce qu'il y a ton amour? Tu as dit, Seigneur, mais quand tu réalises, Seigneur, quand je réalisais, ce matin encore, quand je relisais, comment son dos a été labouré. Oh, je viens. Bible, lorsque je lisais, comment est-ce qu'ils ont tapé le roseau sur sa tête? Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quelle douleur que tu as pu supporter pour moi. Oh oui, moi je viens. À chaque fois, est-ce que tu es parti relire? Est-ce que tu as pris le temps de relire alors que nous sommes en train de commémorer ce qu'il a accompli? Est-ce que tu es reparti dans la parole pour réaliser l'atrocité? Oh, j'avais juste envie de dire, Seigneur, oh, qui suis-je? C'est pour ça que David a dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette créature? David a posé la question à Dieu, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans cette créature pour faire tant de choses à lui pour lui? D'abord, tu l'as fait de peur derrière toi. Tu l'as fait de peur. Tu as dit qu'il était Dieu. Ah oui, tu l'as fait à ton image. Mais cela n'a pas suffi. Malgré le fait que cet homme t'a déçu,
sortir son autorité. Malgré que cet homme, Seigneur, a péché, tu n'as pas laissé tomber. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé mourir. Non, tu es venu. Oh, oh, tu es venu. Et tu es venu. Tu n'as pas regardé à mon péché. Tu n'as pas regardé au nombre de fois où j'avais dit non. Tout est pour m'apparaître de toi. J'ai dit, je ne veux pas de ce Jésus. Je ne veux pas de ce Jésus. Mais Seigneur, tu ne t'es pas arrêté. Tu ne t'es pas arrêté. Tu as insisté. Et il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour où tu m'as fait grâce. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. La Bible a dit que nul ne peut dire Seigneur si ce n'est pas moi. Oh! Je me partais dire Seigneur, oh, oh, comment quelqu'un peut prier jusqu'à ce que la sueur ne vienne des grumeaux, pas des gouttes, des grumeaux, pas des gouttes. Ah, ça veut dire que ton sang s'est consolidé, tellement la douleur était atroce. Oh, de peu. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour ton Église. Seigneur, tu n'es pas arrêté au péché. Non. Tu n'as pas regardé au manquement d'Adam et de Ève. Tu savais. Seigneur, tu savais à quel point nous étions faibles. Toi-même, tu sais comment tu as créé l'homme. Ta beauté, je viens. Arrête Sata, bien-aimé, est-ce que tu réalises? C'est cette soirée où tu es venu. Est-ce que tu as compris de quoi il s'agissait? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as mesuré le poids du sacrifice? Est-ce que tu as mesuré le poids du sacrifice? Quelque chose que je désire ardemment. Lorsqu'on dit ardemment, c'est-à-dire que son âme est engagée, son cœur est engagé. Oh, oh, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te rencontrer. Je veux te rencontrer. Est-ce que tu peux lui dire? Église, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux le soupirer? Église, je ne t'entends pas. Toi qui es connecté, est-ce que tu peux dire, Seigneur, ta présence? Oh, moi je veux attirer. Église, est-ce que tu peux lever le niveau? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux laisser ton cœur s'exprimer? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler? Ah! Est-ce que tu peux laisser cet organe que Dieu a créé s'exprimer devant sa présence? Oh! Pour te contempler. Seigneur, je veux te rencontrer. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a fait ça pour toi. Il n'y aura jamais aucun homme sur la terre. Même ce type de parents, non. Non. Le dos labouré. Les plats pour un épine enfoncé. Les mains clouées. Je viens. Est-ce que tu réalises?
du péché. La croix t'a fait sortir de l'esclavage du péché. La croix t'a rendu esclave de la justice. Est-ce que tu saisis? Je viens, je viens. Moi je viens. Oh oh oh. Je viens devant ton trône. Seigneur, localise chacun ici. Seigneur, localise un cœur assoiffé. Localise un cœur désireux. Localise un cœur désireux. Un cœur désireux. Admiré. 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 Regarde Basseta. Ave Basseta Kaya. Ave Basseta. Je veux te rencontrer. Est-ce que tu veux rencontrer le Dieu de la vie? Est-ce que tu veux rencontrer celui qui s'est fait? Celui qui s'est fait péché? Celui qui s'est fait pauvre? Celui qui portait des maladies? Celui qui a porté tout le péché de l'humanité? Je viens, je viens, je viens. Est-ce que tu veux le rencontrer? Il dit, venez à moi, prenez de mon eau, vivez de mon eau pour que vous n'ayez plus jamais soif. Oh, il est venu tout combler. Te vanter de ce que la croix accomplit dans ta vie. Que pendant ces 7 soirées de Saint-Esprit, tu apprennes à valoriser l'œuvre achevée de Christ. Paul disait dans Galates 6, 14, regarde ça. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours promptes à demander des choses. À demander des voitures, mari, enfant, tout ça c'est bien. Mais Paul a dit, s'il y a quelque chose dont je veux me glorifier, s'il y a quelque chose dont je veux me vanter, s'il y a quelque chose que je veux présenter au monde, je ne veux pas présenter un mariage, je ne veux pas présenter un enfant, je ne veux pas présenter un travail, je veux présenter la croix. Il dit, pour ce qui vous concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, qui par le monde est crucifié pour moi, et comme moi je le suis pour le monde. Paul a dit, ce que Jésus a fait dépasse tout ce qu'un être humain peut faire. Jésus dit, s'il y a une chose, vous connaissez, Paul dit, je suis érudit, je connais toutes les lettres, je connais plusieurs langues, mais ce n'est pas ce que je vais présenter au monde. Ce que je vais présenter, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Est-ce que c'est ton désir? Je présente la croix de Jésus. Oh, je me glorifie de ce que Jésus a fait pour moi. Et d'ici à quelque chose que je raconte au monde. C'est pour ça que Paul n'a pas priorisé le mariage. Non, Paul a dit, je trop préfère à présenter la croix. Je veux me glorifier de la croix. Oh, la croix de Jésus. Je veux dire au monde, la croix de Jésus. Et vous êtes étonné de ce que Paul a écrit autant d'épîtres. Moi
moi je veux la croix de Jésus. C'est ce que je décide de présenter au monde. La croix de Jésus. Paul, mais c'est pour ça que j'ai écrit Éphésiens, Corinthiens, Philippiens, toutes ces lettres, parce que je voulais raconter la croix. Je voulais raconter la croix de Jésus. Et je crois que c'est pour ça. C'est pour ça que Paul a eu autant de révélations. Parce qu'il disait, ce pourquoi il veut se glorifier, c'est pas d'être sauvé seulement. Il ne se contente pas d'être sauvé. La croix de Jésus. Je veux montrer la croix. La croix de Jésus. Je veux glorifier le prix payé. La croix de Jésus. Je veux montrer comment le sang, ce que le sang a fait. Oh Pierre, Galate, est-ce que vous comprenez? Galate. Je veux te parler de la croix. La croix de Jésus. Moi, je n'étais pas que son disciple, mais j'ai une révélation de Christ. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La soif de Paul était tellement grande. La croix de Jésus. La foi de Paul était tellement grande. La croix de Jésus. Paul est le seul. La croix de Jésus. Bien aimé. Ah, la croix. Oh. Oui, la croix. Hey. Oh, la croix. Oh. Ah. Pierre, après que le Saint-Esprit soit arrivé, Pierre faisait des miracles. Prédication. 3000 âmes, 5000 âmes. Mais dans toute ta Bible, le seul qui a dit, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que dans tout ce que Paul faisait, il se glorifiait de la croix. Tout ce que Paul faisait, il voulait montrer la dimension de la puissance de la croix. C'est Christ qui vit en moi. Ah! C'est Christ qui vit en moi. Qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je me glorifie de la croix. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai rien à faire des choses de ce monde. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je veux, c'est la croix. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je veux révéler, c'est la croix. C'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est Christ qui vit en moi. 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 Je n'ai pas une autre pensée que la croix. C'est Christ qui vit en moi. Je ne me glorifie de rien d'autre que de la croix. C'est Christ qui vit en moi. C'est pas la croix. N'eût été la croix. N'eût été la croix. On n'aurait jamais eu Paul. N'eût été la croix, on n'aurait jamais eu tous ces épîtres. La croix. C'est pour ça que Paul a dit, s'il y a une chose dont je dois me glorifier, c'est pas d'être un érudit. C'est pas de parler l'hébreu, les grecs, non. C'est la révélation de Christ. Christ qui m'a tué pour le monde et qui a tué le monde en moi. Et c'est ce qu'il a accompli, bien aimé. Toutes les fois où Jésus, son sang a coulé, il a arraché ce que le diable avait mis en toi. Toutes les fois où le sang de Jésus a coulé, il a pris quelque chose qui était de lui et il a mis sur toi. Il a enlevé ce qui était de l'opprobre et il a mis sur toi. Oh, c'est Christ qui vit, qui vit, qui vit. Oh, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il avait une révélation de la croix.
en moi. Depuis cinq soirées, tu viens ici, soir après soir. Est-ce que tu peux dire que ce désir de Christ en toi, parce que la croix c'est ça, l'objectif de la croix, c'est que tu reprennes ta position à l'image de Christ. L'objectif de la croix, c'est que tu sortes des ténèbres et que tu reprennes ta position de royauté. L'objectif de la croix est que tu sortes des prisons de l'amertume, de la rancœur, de la haine et que tu rentres dans la dimension de la plénitude, de l'amour, de la paix, de la joie que donne le Saint-Esprit. C'est ça que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis. Même il dit, même, malgré sa dimension de révélation de Christ, il dit, mais je sens quand même, je sens que lorsque je veux faire du bien, il y a comme une loi bizarre, malgré tout ce que je sais, il y a comme une loi bizarre qui veut me pousser. Et gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu de la puissance de la croix. Oh, de la puissance de la croix. De la puissance de la croix. De la puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la croix est venue faire en sorte que même lorsque tu sens la loi du péché, de la mort, qui veut t'entraîner dans les choses que tu as vomies, il y a une loi qu'on a, qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, elle te sort des ténèbres, elle te sort et elle te fait rentrer, et elle te fait rentrer, elle te fait révéler, elle te fait respecter la puissance de la croix, 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 la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Dis, la puissance. Église, dis-le. Dis-le. Dis-le, proclame-la sur ta vie. Proclame la puissance de la croix. Proclame la puissance de la croix. Elle anéantit la loi du péché. La puissance de la croix rend impuissant toutes les attaques sataniques. Lorsque tu comprends la puissance de la croix, bien-aimé, tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains. La puissance de la croix, elle te délivre, elle te délivre. Là où tu étais captif, oh. Là où tu n'arrivais pas. Où tu n'arrivais pas à arrêter l'addiction de la drogue, l'addiction de la masturbation, l'addiction de l'alcool, l'addiction de la cigarette, là où la colère, la puissance, la puissance, la puissance de la croix. Le sang de Jésus, la puissance du sang.
Jésus, la puissance du sang, le sang de 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 Jésus, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. Pas un chant. Tu es en train de faire une déclaration. Mais tu as besoin que tu comprennes. Je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. Oh! La puissance du sang. La puissance doucement. Du sang. Le temps qu'ils écoutent quelque chose. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel sang. La puissance du sang. On parle du sang de Jésus. La puissance du sang. Mais regardez, Dieu est tellement sage. Parce que Dieu maîtrise toutes choses. Et avant que le véritable n'arrive, Dieu fait toujours, on dirait, des tests. Quand vous lisez la Bible, quand vous regardez quelque chose dans le Nouveau Testament, allez voir s'il n'y a pas un petit test de ça dans l'Ancien Testament. Il y a un petit test de la puissance du sang dans l'Ancien Testament. Pour que tu réalises... Exode 12, verset 7. Je vais sauter certaines parties. Mais quand tu, je peux dire que ce n'est pas un chant en fait. C'est une déclaration que tu es en train de faire à ta vie. Il ne faut pas que tu repartes de cette soirée en disant « Oh, c'était bien. » Non, non. Les amis, ces soirées sont spirituelles. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités que ton esprit doit capter. Je ne dis pas des paroles que ton âme doit entendre. Non. Je dis une vérité qui doit venir s'installer. C'est-à-dire que la parole logos doit devenir réma. La parole logos doit venir réma. De sorte que lorsque tu iras, lorsque ces sept soirées finiront, que ta vie ne soit plus jamais. Qu'elle ne soit plus jamais. Regarde. Exode 12, le verset 7 dit, transmettez ces instructions, c'est Dieu qui parle, à toute l'assemblée d'Israël. Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je saute. Verset 5. Regardez bien. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dieu prend la peine de préciser, pas n'importe quel agneau. Il faut un agneau qui n'a aucun défaut, qui est, disons, presque parfait. Il dit, verset 7, on prendra de son sang, dit la puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Il dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Dieu dit, le sang d'un agneau, fut-il sans défaut? Il dit, toi mon peuple, prends ce sang, mets-le sur les linteaux de ta porte, parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer. La Bible dit que on ne doit pas être des auditeurs oublieux, que nous sommes heureux lorsque nous entendons ces choses, à condition de les mettre. Je veux que tu repartes de cette soirée avec la conscience de ce que tout a été fait. La révélation de la croix fait en sorte que lorsque tu pries, tu ne pries pas pour que Dieu fasse, tu pries parce que Dieu a fait. Tu n'as pas saisi. Je répète, la révélation de la croix fait que lorsque tu pries, tu n'es pas là pour te demander. Tu pries parce que tout est accompli. Et que cet endroit, regarde, l'homme des choses à venir. Oh, la puissance du sang. On prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Écoutez verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et
je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements. Oh! Je mettrai ainsi à exécution mes jugements. Ah! Contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Et écoutez verset 13. La puissance du sang. Il dit verset 13. Pour vous, en revanche, quelqu'un dit en revanche. Quand tu vas en revanche, ça veut dire qu'il y a une exception. Quand tu parles, c'est ça français, non? Quand tu dis quelque chose, tu dis en revanche. Ça veut dire que ce que je viens de dire avant là, ne touche pas ce que je viens de dire après. C'est ça dans le français. Bon, bref, c'est compris. Il dit, mais vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai les chiens. La puissance, il dit, là où je vois le sang, aucun fléau. C'est pour ça que je dis que tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui n'est pas conscient du sang. Il dit, quand je vais frapper tous les gîtes, s'il y a une maison où il n'y a pas le sang, l'ange de destruction tombe sur cette maison. Mais là où il y a le sang, on parle du sang d'un agneau. Le sang d'un agneau a fait en sorte que l'ange destructeur ne puisse pas toucher le peuple d'Israël. Si le sang d'un agneau a pu faire ça, la puissance, si le sang d'un animal, la puissance du sang, je dis si le sang d'un animal, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, a fait que l'ange destructeur est passé par-dessus, la puissance du sang a fait que l'ange destructeur est passé, la puissance du sang. Soirée pour que tu repartes avec une révélation de la puissance du sang. C'est pour ça que soirée après soirée, on prend le temps de détailler chaque fois que ce sang est tombé, a été versé, pour que tu passes. C'est pour ça que moi, chaque fois que je rentre, j'ai juste envie de dire, Seigneur, encore, je ne rentre pas chez moi comme quelqu'un qui dit, oh, c'était bien. Non, il y a quelque chose qui se passe. Pour ça, c'est là au nom de Jésus. Que la révèle, que la soif te connaît davantage. La soif de le connaître davantage. Ah, qu'elle tombe sur toi. La soif. Bien-aimé, c'est le manteau qui est sur notre Père. C'est le manteau qui est sur notre Père. Cette soif de le connaître. Bien-aimé, la Bible déclare la révélation de la parole est claire. Pas la lecture de la parole. Révélation, c'est-à-dire que lorsque tu arrives à plonger les regards et à en abstraire la puissance, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Les ténèbres de l'ignorance se dissipent et tu te comportes autrement, tu pries autrement, tu agis autrement, tu lâches ces choses-là que tu pensais impossible à lâcher parce qu'il y a une révélation qui est arrivée sur toi, qui enlève, qui ôte la puissance du péché. Regarde. Hey, Seigneur, fais-moi comprendre. Verset 30. Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule moisson où il n'y ait pas un mort. Regarde bien, la nuit même. Ça fait 5 nuits que tu viens là. 5 nuits où chaque fois Dieu agit. Ce soir, Dieu va agir. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de... Allez. Ce soir, les pharaons qui sont assis sur ta vie vont dire, lève-toi. Pa, ils vont te dire, pa, 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 pa.
notre mal. Le sang de Jésus anéantit notre puissance. La puissance du sang. Maintenant, tu peux le dire avec la conscience de ce qu'aucun pharaon ne pourra tenir. Ils ont dit à Moïse, toi et ton peuple, il dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu. Les esprits qui sont assis sur ta vie vont dire, sortons du milieu de sa vie, sortons de sa vie, sortons de sa vie, sortons de sa vie. À cause la puissance du sang, la puissance du sang. Du sang. La puissance du sang, la puissance du sang, oh, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. La puissance du sang n'est pas un concept, c'est une réalité qui est attachée à ta vie d'enfant de Dieu. C'est une puissance, c'est une réalité qui est attachée au fait que tu es rentré en alliance avec le Dieu de gloire, avec celui qui a tout créé, avec celui qui dit une chose et elle s'accomplit. La puissance du sang n'est pas un concept. Elle fait partie de l'héritage que Jésus t'a acquis à la croix. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Il a dit, personne ne prend ma vie, moi je la donne. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi donner Jésus a donné ta vie? Je me pose encore la question aujourd'hui. Mais je vous assure, quand j'ai relu ce. C'est pour ça que quand le film La Passion du Christ est sorti, j'avoue, je reconnais. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Parce que je disais que si une fiction est capable de montrer ça, mais c'était quoi la réalité? C'est pour ça que tu ne peux pas jouer avec ta vie en fait. Parce qu'elle a. Elle a été, ta vie a été acquise au prix d'un. Ta vie a été acquise, elle a été rachetée au prix d'une souffrance que tu ne peux pas supporter. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois ces choses, l'adultère, quand tu vois ces pulsions, tu dois réaliser que le corps là, il y a un prix que tu ne peux pas payer qui a été payé. Et ce Dieu-là, il ne s'est pas contenté juste de te payer le prix. Il a choisi de venir habiter en toi. Pour que tu ne puisses pas dire que je ne sais pas. Pour que tu ne puisses pas dire que je ne peux pas. Parce qu'il a dit, bon, si la puissance, si la croix n'y arrive pas, qu'est-ce qui va y arriver? Bien-aimé, tu te dis, machine, on prend tes mains. Les scientifiques disent que le clou a été planté dans la partie, c'est même pas. Je sais pas comment il raconte ça tellement. C'est même pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que. Il était suspendu. Suspendu. De 9h à 15h. Son sang coulait. La puissance du sang. La puissance du sang. Et tout ça pour toi et moi. La puissance du sang. Il a supporté ça pour toi et moi. Il a supporté ça pour que Satan ne gagne pas sur toi. Il a supporté ça pour que la mort ne l'emporte pas sur toi. Il a supporté ça pour que le péché ne règne plus en toi. Il a supporté ça pour que le péché ne règne plus. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de dire je ne peux pas. Quand tu comprends la puissance du sang, tu ne peux plus dire c'est trop fort pour moi. Quand tu comprends la puissance du sang, tu ne peux pas dire c'est trop fort, je ne pourrais pas stopper.
ce qu'il a enduré pour toi, tout ce qu'il a enduré pour toi, des crachats, on a arraché sa barbe. Oh, son sang qui a coulé. Ah, t'imagines si on te tire les cheveux? Tu veux que je teste? Tu veux que je teste? Non mais teste, essaie un peu de tirer les cheveux. Tu n'as même pas supporté 30 secondes. La Bible dit que on a arraché sa barbe. Et c'était tellement fort que une partie de la peau. Puissance du sang. Puissance du sang. La puissance. La puissance du sang. C'est pour ça que. En fait, ce que je te fais comprendre, c'est que chaque fois que le péché viendra cogner à ta porte, c'est pour ça qu'il a dit qu'on doit commémorer la Pâque pour qu'aucun être humain n'oublie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis 5 nuits, voici la 6e, nous sommes en train de nous souvenir de chaque goutte, de chaque fois. Oh! En fait, la réalité, c'est que même avant la croix, ça a commencé à Gethsémané. Donc, c'est-à-dire qu'à Gethsémané, déjà, il a prié tellement fort. Mais là, c'était pas encore les hommes. Ah! Après, il a avancé. En fait, c'est que, en fait, je me rends compte que quand il est arrivé à la croix, il était déjà. Je ne sais même pas comment il est arrivé à la croix. Comment il a fait? Parce que on t'arrache sa barbe. On te met la couronne d'épines. On enfonce avec le roseau. Ah! Oh! Et avec ça, tu veux continuer? Avec ça, avec tout ce qu'il a fait pour toi. Pour toi. Oui, tu as été abusé. Oui. Oui, tu as été abandonné. Oui. Mais la Bible dit que la puissance du sang a le pouvoir de te guérir. La puissance. La puissance. La puissance a le pouvoir de te guérir. Juste invoquer. Est-ce que tu peux juste invoquer? Est-ce que tu peux juste invoquer la puissance du sang? La puissance du sang. Elle a le pouvoir de te guérir de tous les types de honte. J'ai été abusé, méprisé, calomnié. Oui. Mais le sang est disponible. La puissance du sang. Elle est. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Est-ce que tu crois à l'œuvre achevée de la croix? Est-ce que tu crois que Jésus a payé pour toi? Est-ce que tu peux acclamer pour la puissance du sang? Pour la puissance. La puissance du sang. La puissance du sang. Tu n'as pas pu dire. La puissance du sang. C'est à cause de la puissance du sang. La puissance du sang. Je vous ai dit que Paul a une révélation. C'est pour ça que Paul pouvait dire que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche, parce que ça n'a rien à voir avec ta condition, ça a à voir avec le sacrifice. Quand tu crois en la puissance du sang qui a payé pour toi, tu ne peux plus dire qu'il n'y a rien dans ses mains. Tu ne peux plus dire que tu ne peux pas progresser. Tu ne peux plus. La puissance du sang. Tu ne peux plus dire que je suis trop faible.
garçon bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur a convoqué cette soirée. Pour que tu entames cette année 2024 avec une autre mentalité. Une mentalité de conquérant. Pas une mentalité de mendiant. Tu dois sortir de la dimension du mendiant à la dimension du conquérant. Pourquoi? Parce qu'entre le mendiant et le conquérant, il y a la puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Je dis il y a la puissance du sang entre le mendiant et le conquérant, entre le pauvre et le riche, entre la honte et la gloire, entre la maladie et la guérison, entre les abaissements et l'élévation, entre la peur et la force. Il y a entre la captivité et la délivrance, il y a la puissance. Je n'ai pas démuni, non. La puissance du sang. Cinq fois. Ma vie. Aujourd'hui, on va voir la sixième. Bien-aimé. La sixième fois où le sang de Jésus a coulé. Aïe. C'est quand ils ont cloué ses pieds. Cloué les pieds. Qui s'est déjà fait mal avec une aiguille? Alors, je ne sais pas si clouer les pieds, c'est 1 milliard de fois. Parce que déjà, tu vois, quand tu piques, tu dis, mais la Bible dit, on a cloué ses pieds. Et le sang a commencé à couler. Mais souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Satan a dit à la femme? À cause de ce qu'elle a fait. Il a dit à la femme, il y avait déjà une histoire de pied dans la Genèse entre Satan et l'homme. Dieu a dit à la femme à cause du péché, le péché. Tout ça, c'est à cause du péché. Mais heureusement, la puissance du sang est venue anéantir tout ça. La puissance du sang. Il y a eu le péché. Il y a eu le péché, oui. À Eden. Mais il y a eu la puissance du sang à Golgotha. Dieu avait déjà tout prévu. Ève, Dieu l'a maudite, du moins sa postérité. Mais Christ a racheté à Golgotha. Lorsque les pieds de Christ ont été cloués, Dieu avait dit à Adam, à Ève, le serpent là, il va te mordre des pieds. Mais quand même, toi là, tu vas l'écraser la tête. Alors écoute bien. Déjà, parce que moi c'est comme ça que je comprends ça. Malgré le fait que le Satan peut te mordre le talon. Entre mordre le talon et écraser la tête, qu'est-ce qui est mieux? Ça veut dire déjà que malgré la malédiction, le pouvoir était toujours en toi. C'est-à-dire que même dans la malédiction, Dieu t'a gardé le pouvoir d'écraser la tête. Il a dit, tu écraseras la tête. C'est-à-dire que même en dehors de l'éternel, Dieu t'a quand même conservé le pouvoir. Mais, regardez ce que Jésus vient faire. Pourquoi les pieds? C'est pour que tu ailles beaucoup plus loin qu'écraser la tête. Bien-aimé, les pieds, c'est le signe de la stabilité. Regardez, c'est... Hop.
tes pieds sont mous, instables. Et quand le serpent est venu mettre tes pieds, venu mordre tes pieds, c'est ce qu'il dit. En fait, tu ne peux pas rester sur place. Tu es comme ça. En fait, tu ne tiens pas. Il faut qu'on te tienne. La puissance du sang. Oh, 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 oh. La puissance du sang. La puissance du sang. Elle est venue affermir tes pieds. La puissance du sang. Elle est venue te rendre stable. La puissance du sang. Elle est venue te rendre solide. La puissance du sang. Ah, bien-aimé. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. C'est cette morsure-là. La puissance du sang. Qui faisait que ton instabilité. En fait, toi on ne sait pas où tu vas. Aujourd'hui tu es avec telle sœur, demain c'est plus elle, c'est l'autre. Tu commences telles études, demain c'est plus celle. En une année, tu as peut-être fait 3 formations. On te demande qu'est-ce qui est arrivé, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu commences un travail, oh non, le patron est trop difficile, j'abandonne. Tu commences une relation, ah la sœur là elle est bizarre, tu abandonnes. En 5 ans, tu as vu 7 sœurs. Que ça ne soit ton bardage au nom de Jésus. Que tu sors de là au nom de Jésus. Non, la puissance du sang. Dieu a vu ça et dit non. En fait, tu es d'un niveau d'instabilité. Tu dis une chose, tu commences, tu ne tiens pas ta parole. Non, Dieu a dit non, c'est pas mon image. Que quelqu'un dit, c'est pas l'image de Dieu. C'est pas l'image de Dieu. Parce que ce qui est certain, c'est que quel que soit ce qui s'est passé à Eden, Dieu avait prévu que d'une façon ou d'une autre. Je dis bien d'une passion ou d'une autre. La finalité, ce soit l'image de Christ en toi. La finalité, ce soit l'image de Christ en moi. Le diable pouvait tergiverser. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand Joseph dit, vous avez prévu me faire du mal. Mais Dieu l'a tourné en bien. Le diable avait prévu te rendre instable toute ta vie. Mais la puissance du sang. 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 Ok, on va prier. Tu vas répéter après moi. Parce qu'il faut que tu pries. La puissance du sang. Parce qu'il faut que tu sors de cette situation. La puissance du sang. Tu vas répéter après moi. Va prier. Mets tes pieds comme ça. En position de stabilité. Non mais c'est prophétique ce qu'on va faire là. Fort. Comme ça. Oui, comme ça. Je vais dire Père, dans le nom de Jésus, tout esprit maléfique. J'avais mordu mes pieds pour que je tangue, pour que je sois pas stable, pour que j'aille à gauche, pour que j'aille à droite. Dans le nom de Jésus, je viens réduire à néant sa puissance par la puissance du sang de Jésus, du sang de Jésus, du sang de Jésus. Allez, dis, répète, le sang de Jésus me rend stable. 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 La puissance du sang. La puissance du sang. Je suis enraciné. Je suis fondé. Je suis stable. Solide. Ah, la puissance du sang. Seigneur, tu solidifies. Tu consolides. Tu solidifies. Dans le nom de Jésus. La puissance du sang. Ah, la puissance du sang. Là où je tenais. Là où je ne tenais pas, là où je changeais la vie, là où non, Seigneur. Sang, puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. Mais, lorsque les pieds de Jésus ont été percés, c'est comme si Jésus est venu délier. Parce que lorsqu'on parle de
de vaincre tout ce que les pieds. Ah Seigneur, lorsque. Qu'est-ce que Satan a fait lorsqu'il a mordu tes pieds? Non seulement il t'a rendu instable, mais il a fait aussi en sorte que tout ce que tu fais. Ah Seigneur, vraiment. Non, rends grâce à Dieu pour le sang. Oh. Bien-aimé, vous savez, j'entends beaucoup de choses dans les entretiens. Et par moments, quand j'entends des choses, mon cœur saigne. Je dis, Seigneur, non. Fais-nous augmenter en autorité. Bien-aimé, apprends à prier pour l'autorité. Parce qu'elle t'a été conférée. Tu dois refuser. Vous savez, quand quelqu'un sort, quand une personne sort de l'entretien, en fait, je dis, Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. C'est que quand tu entends la vie des gens, tu te dis, mais Seigneur, comment les gens peuvent vivre ça? Et il y en a trop. Qu'est-ce que Jésus est venu faire lorsque ses pieds ont été cloués? Il est venu te délivrer de tout ce qui était lenteur dans ta vie. Bien-aimé. Et longtemps, moi, j'ai connu ça. Tout ce que tu fais est difficile. Les autres, tu vois qu'ils avancent. Mais quand c'est toi, avoir un contrat de travail, tu trimes. Tu envoies des CV, personne ne répond. Ah. Avoir même un diplôme, même le permis de conduire, tu rates encore et encore et encore. Pourtant, tu révises. Mais c'est comme si tous tes pieds étaient liés, tu ne peux pas bouger. Ça t'empêche. Tu n'arrives pas à te mouvoir, tu n'arrives pas à avancer. Tu es là. Tu es là, tu veux bouger, mais il n'y a rien, tu ne bouges pas, tu es là. Tes pieds sont. Ah! On va briser ce chaîne. Tout est lent. Tout est lent. Tu es là. Rien n'avance. Rien n'avance. Ta vie professionnelle n'avance pas. Ta vie. Bon, c'est vrai aussi qu'après, elle apparaît. Bon, on va prier. Ça. Regarde. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de raisons. Mais écoute bien ce que je dis. C'est comme ta caractéristique. C'est-à-dire que toi, tu vois, toi, tu payes les efforts. Toi, tu fais les efforts. Tu n'es pas paresseux. Tu cherches du travail. Tu te réveilles, tu pries. Mais en fait, il n'y a rien. Bien aimé, ce n'est pas la prière, le jeûne. C'est la puissance. C'est comme s'il y avait un plafond de verre que tu ne peux pas atteindre. Tout est lent, lent. Avoir ta régularisation, c'est lent. Tout est difficile. Se marier, c'est lent. Avoir un enfant, c'est lent. Tout est... C'est-à-dire que comme s'il y a eu des pactes sataniques qui avaient fait en sorte que si tu vis, tu dois vivre comme un escargot. Oh! Alors Jésus est allé à Golgotha et son sang a coulé des pieds pour que toi tu puisses dire ha, dans le nom de Jésus, répète après moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toutes ces chaînes sataniques, toutes ces chaînes sataniques qui retiennent mes pieds, qui m'empêchent de me mouvoir, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de courir, qui m'empêchent de monter, je viens les briser. Je les brise dans le nom de Jésus. Je les brise. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces pactes. Je brise ces pactes sataniques. Je brise ces pactes sataniques. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus, ah, il a détruit tout pacte satanique qui pouvait t'accuser encore à la croix. À la croix, la Bible dit qu'il les a publiquement humiliés. À la croix. Ça veut dire que quand tu sens ces lourdeurs, tu dis non. Tu as été humilié. Tu as été humilié. Aucune chaîne. Alors oui, fais comme ça. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Répète. Les chaînes tombent. Les tombent. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance. Ah, rien ne te retient. Plus rien ne te retient. La vitesse, tu prends de 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 la vitesse.
Non. Oh, aïe. Ah, Seigneur. Ah, écoute. Wow. Non, Dieu est bon. Ah. Hé. Hey. Oh. Regarde. Ah. La puissance du sang. Oh. Ah non, faut que je te dise ce verset. Hé. Hey. Créa reba sota. Créa reba sata kaya. Créa reba sota kaya. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Fais comme ça. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Kaya de basata. Les chaînes tombent. Kaya de basata. Les chaînes tombent. Kaya de basata. Kaya. Les chaînes tombent. Kaya de basata. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les lire tes vers deux versets. Psaume 17, verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancèlent point. Hey! Tu es bon. Il dit, Psaume 18, verset 33. Non seulement tes pieds ne chancèlent pas, non seulement tes pieds ont été libérés, mais regarde ce qu'il dit. Il rend, Psaume 18, verset 33. Il rend mes pieds semblables à ceux des buts. J'ai dit quoi? Que le sang de Jésus a coulé pour que tu puisses te mouvoir. Que quelqu'un dise me mouvoir, me mouvoir, me mouvoir, oui, me mouvoir. Ça veut dire quoi? Que là où il croyait que tu allais rester en bas, là où il croyait que ta vie n'allait arriver nulle part, là où les sorciers de ta famille avaient juré que toi, là, rien de bon ne sortira de toi. Regarde ce qu'il dit. Hey. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de
Sérieux. Regarde ce que Dieu dit. Il rend mes pieds semblables à des biches, à ceux des biches. Il me place. Il me place. Il me place. Les chaînes tombent. Ça veut dire quoi? Que les chaînes qui tenaient tes pieds, pour que tu n'ailles pas dans les hautes sphères d'influence, pour que tu n'occupes pas des postes de responsabilité. Aujourd'hui, il ça veut dire quoi? Les lieux élevés. Ça veut dire que la dimension où ils avaient mis que toi, ta famille, vous ne passez pas. Il n'y a pas de bac plus deux. Il ça veut dire quoi? Que là où on avait dit que vous, là, dans votre famille, 40 ans, vous ne dépassez pas. Oh! Donc toi, tu es là, tu as 38 ans. Tu te dis, oulala, bientôt 40 ans. Ce soir, tu dors en paix. Je dis, ce soir, tu dors en paix. Parce que ça... Ça... Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Plus jamais. Ça veut dire que lorsque ces petits esprits, bien aimés, comprennent la puissance du sang, c'est pas une question de jeûne et prière, c'est une question de conscience. La conscience du sang, la conscience du sang, la conscience du prix payé. Pense-moi à ses pieds et tu dis, je ne peux pas accepter un tel verdict. Je ne peux pas accepter que ma vie soit limitée. Je ne peux pas accepter, là où tes finances ne bougeaient pas, que toi tu passes ton temps à passer. Ton salaire maximum c'est 1200 euros. Non! Et ça c'est au meilleur des cas. Les chaînes tombent. La chaîne de la pauvreté. Les chaînes tombent. La chaîne des limitations. Les chaînes tombent. La chaîne d'une juste assez. Les chaînes tombent. Les chaînes du pas assez. Les lieux élevés. Les chaînes tombent. Oh. Les chaînes tombent. Les lieux élevés. Hey. Les lieux élevés. Les lieux élevés. Hey. Fais comme ça. Les lieux élevés. Hey. Les lieux élevés. Oh, aussi haut que tu peux sauter. Aussi haut. Aussi haut que tu peux sauter. Prophétique. Donc, moi je te vois, tu as 15 ans, même moi qui ai plus à cinquantaine, je sais que je n'aime pas. Je saute plus haut que toi. Vas-y, les lieux, aussi haut que tu peux sauter, c'est là où tu vas atteindre. Et tu fermes les yeux, tu visualises ces portes qu'on t'a fermées et tu déclares, cet accès m'est ouvert. Yeah.
bien. Ce que l'Esprit me dit. Ah, Dieu vous connaît. Dieu lit dans nos cœurs. Ah, tu sais, le premier lieu élevé auquel tu dois aspirer, maintenant que les chaînes sont tombées, la présence de Dieu, les lieux élevés. Je vais voir si tu vas sauter aussi haut. Quand on parle de atteindre les dimensions, là où Christ est assis. Et on y va. Les lieux. Que ta vie de prière ce soit 10 minutes à partir de ce soir. Ça, ça, à partir de ce soir, tu vas faire comme moi. Quand tu vas rentrer, tu vas aller te prosterner. Les lieux élevés, je veux les lieux élevés dans ta présence. Les lieux élevés, je veux. Je veux les lieux élevés. Acclame, acclame, acclame. Celui qui t'envoie dans les lieux élevés, celui qui te fait monter haut. Oh, oh, encore, 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 encore. Acclame-le. Acclame celui qui a versé son sang. Il a versé son sang pour que tu aies accès aux lieux élevés. Et dans sa présence, et dans la présence des hommes. Et dans sa présence, et dans sa présence des hommes. À l'exemple de ton frère Jésus qui passait, qui avait la faveur et de Dieu et des hommes. De la même façon, je déclare et je décrète que les lieux élevés auprès des hommes et auprès de Dieu te sont accessibles. Ils te sont accessibles. Ils te sont accessibles. Dans le nom de Jésus, à cause du sang. À cause du sang. Les lieux élevés. Les lieux élevés. Les lieux élevés, les lieux élevés, les lieux élevés, les lieux élevés. Bien aimé, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. 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 Bien aimé, la puissance du sang est accessible. Elle est disponible.
La Bible dit que ce sera fait selon ta foi. Les pieds de Jésus ont été cloués pour que toutes sortes d'infirmités de pieds, arthrite, arthrose, phlébite, jambes lourdes, quelle que soit l'infirmité, le sang est accessible. Sens du sang, la puissance du sang, quel que soit le mal que tu as posé ta main. Le sang est là. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Continue. La puissance du sang. La Bible dit. La puissance du sang. On l'a vu déjà. La puissance du sang. Mais spécifiquement, toute maladie des pieds. La puissance du sang parle. Est-ce qu'il a pris ça? Non seulement quand on lui a arraché le dos, quand on a labouré son dos, il a porté tes maladies. Mais spécifiquement les maladies des jambes. C'est pour cela que ces jambes ont été clouées. Pour que chaque fois que tu auras ce genre de douleur, tu veux dire la puissance du sang. Alors pose ta main et tu as répété après moi. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens réprimer toute infirmité dans mes jambes, dans mes os, toute infirmité, phlébite, arthrose, arthrite, quelle que soit l'infirmité, dans mon pied, dans mon mollet, dans ma cuisse, je réprime cette maladie et j'invoque la puissance du sang de Jésus. Appuie là où tu as mal. Et invoque le sang. Et déclare l'arrêt de toute douleur. Ah Seigneur, je décrète et je déclare que ces jambes lourdes, Seigneur, ce que mon frère ne pouvait pas faire, ce que ma soeur ne pouvait pas faire, maintenant la puissance du sang agit. Le sang qui a coulé au niveau des pieds, lorsque tu as été cloué, Jésus. C'est pour des moments comme celui-ci. C'est pour ce genre de maladie. Arthrite, arthrose, je vous réprime dans le nom de Jésus. Je viens maudire vos semences dans ses jambes dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète, Seigneur, à cause de la puissance du sang, là où l'os était affaibli, là où l'os était cassé, la puissance du sang régénère. La puissance du sang régénère les cellules. La puissance du sang régénère les cellules. La puissance du sang régénère les cellules. Ah Seigneur, c'est toi qui as créé ces jambes. Et c'est toi Seigneur qui dit que la puissance du sang. Ah Seigneur, c'est pas la puissance du sang. Adeba Sota Kaya. Ah Seigneur, j'invoque la puissance du sang. Ah Adeba Sata Kaya Basso. La puissance du sang de Jésus. Les mérites du sang de Jésus. Les mérites du sang de Jésus. Ah, sur ses jambes, sur ses mollets, sur ses cuisses, sur ses os, sur ce genou, sur ce talon. Arriba Satakaya. Ah Seigneur, maintenant les muscles se remettent en ordre. Les muscles se remettent en ordre. Les muscles se remettent en ordre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. Bien aimé, je vais finir avec ce point. Et qui pour moi, au-delà de tout ce qu'on a pu dire depuis 5 jours, est le plus important. Vous savez, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Parce que Jésus a horreur de la maladie. Jésus a horreur de voir les oppressions dans la vie des hommes. Le Père ne veut... Quel est ce Père qui prend plaisir à voir ses enfants dans des situations difficiles? Et je dis souvent que Dieu est un investisseur.
Lorsque Dieu t'élève, et que par sa grâce, parce qu'il n'y a aucun mérite, il te touche et que tu prospères financièrement, rends grâce à Dieu. Lorsque Dieu te distingue, et que par sa grâce, il te donne un conjoint, vraiment, tu dis, oh Seigneur, oh mon Dieu, j'ai fait quoi? C'est sa grâce, rends grâce à Dieu. Lorsque Dieu se souvient de toi, et qu'alors que tu as crié pour le fruit des entrailles, et que sans intervention de la médecine, toi qu'on avait dit stérile, tu enfantes 4 fois, rends grâce à Dieu. Lorsque Dieu te sort d'une situation d'addiction chronique à la pornographie, à l'immoralité sexuelle, au dérèglement sexuel, toi qui ne pouvais pas passer un jour sans regarder un film porno, sans te masturber, et que maintenant ces choses, ça y est, quand même quand tu y penses, tu en as horreur, rends grâce à Dieu. Mais tu sais pourquoi il le fait? Pas pour que tu dises juste amen. Pour que tu dises, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il veut que tu le dises au sortir de ces 7 nuits. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? C'est que quand tu regardes à ses grâces, en fait, la seule chose qui doit monter en toi, c'est pas, oh vraiment, Dieu m'a béni, non. C'est-à-dire que ton cœur doit être tellement reconnaissant. C'est que quand tu regardes à d'où Dieu t'a tiré, quand tu vois, quand tu regardes comment il a enlevé cette douleur, toi qui me vois, comment il a ôté cette douleur qui te faisait pleurer toutes les nuits, cette souffrance que tu n'arrivais pas, lorsque sans imposition des mains, juste parce que tu as entendu la parole qui a dit, je suis avec toi. Lorsqu'il a fait ça pour toi, lorsque la puissance du sang a parlé à ce niveau, la réponse est oui, merci, mais ensuite. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Il t'a guéri pour que tu sois un agent de guérison. Mais comment tu le fais? Le sang de Jésus a coulé de ses pieds, bien-aimé. Pour que cette parole, écoute bien, regarde ce verset qui dit. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils soient beaux, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Tu te rappelles les lieux élevés? Tu sais pourquoi tu dois aller dans les lieux élevés? Parce que dans les lieux élevés, lorsque Dieu te prend toi son enfant pour t'emmener dans les lieux élevés, c'est parce qu'il y a un passage qui dit dans la Bible que parmi vous là, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de riches. Donc quand il t'emmène dans ces milieux, ce n'est pas pour que tu ailles te compromettre. Pour que tu sois zélé pour son œuvre. Il dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants. Je regarde l'église. Est-ce que c'est faux? Les lieux élevés, ça pour dire que Dieu m'a élevé. C'est pour être un propagandeur de l'évangile. Le sang de Jésus a été versé. Il dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton
ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds, tes pieds ont été déliés, non? Les chaînes sont tombées, non? Tu es devenu dans Dieu, aller dans les lieux élevés. C'est pour que tu aies dit, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. C'est pour que tu ailles dire, mon Dieu règne. C'est pas pour que tu ailles rester la bouche fermée. Mon Dieu règne. Non. C'est pour que le zèle de sa maison du Père te dévore. C'est pour que tu chausses les pieds du zèle de l'évangile, je crois. Ah, que tu chausses les chaussures du zèle de l'évangile. C'est pas pour que tu ailles t'enorgueillir. C'est pour que tu ailles dire à toute personne, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Hé, hey, hé, hey, mon Dieu règne. Jésus, 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 Jésus. C'est pour que tu ailles parler de Jésus. C'est pour que tu ailles sauver les hommes. C'est pour que Dieu passe par toi. C'est pour que Dieu passe par toi. C'est pour que tu sois sa bouche pour dire. C'est pour que tu sois ses pieds pour aller. C'est pour que tu sois ses mains pour aimer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu règne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu règne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu règne. C'est pour que tu ailles proclamer son nom dans toutes les nations. C'est pour que tu ailles démontrer ses œuvres partout où il t'enverra, parce que tu es son témoin. Il a dit allez, 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 allez. Il n'a jamais dit restez. Il a dit le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Témoin de quoi? De la puissance du sang pour la guérison. Témoin de quoi? De la puissance du sang pour la délivrance. Témoin de quoi? De la puissance du sang pour la libération. Témoin de quoi? De la puissance du sang pour l'élévation. Témoin de quoi? De la puissance du sang pour la distinction. Témoin de quoi? De la puissance du sang de Jésus. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Hey! Mon Dieu règne. Est-ce que tu peux l'acclamer? Mon Dieu règne. Est-ce que tu peux l'acclamer? Mon Dieu règne. Acclamer le Dieu qui règne. Mon Dieu règne. Acclamer. Que tu ailles parler de sa part, que tu ailles guérir de sa part, que tu ailles relever de sa part, que tu ailles consoler de sa part, que tu ailles agir de sa part. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu règne. Oh oui, mon Dieu règne. Oh oui, mon Dieu règne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu règne. Alors fais cette prière avec moi. Quoi que Dieu te donne, quoi que Dieu fasse avec toi, la plus belle chose que tu puisses lui offrir, c'est ta vie. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça qui est pour lui un culte agréable. Je lui rends un culte, décide d'aller pour lui. Je lui rends un culte, tu veux que son cœur se réjouisse. La Bible dit que lorsqu'une seule âme se répand, il y a plus de joie dans le ciel que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que tu peux décider avec moi que sortir de ces 7 jours, ces 7 soirées, que tu ne sois pas juste un consommateur de la parole, un consommateur de grâce, mais que tu deviennes un distributeur de la vie.
8h de la nuit, communiqué par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux juste lever les mains au ciel? À cause du sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses pieds. Est-ce qu'on peut juste dire, Seigneur, nous voici. Sers-toi de nous. Seigneur, cette fois, ton sang a coulé. Mais la sixième fois, c'était pour nous rendre capables d'aller pour toi. Tu as brisé ces chaînes. Tu as rendu nos pieds fermes. Tu nous conduis dans les pieds et dans les volets élevés. Tu nous fais courir à une vitesse extraordinaire. C'est pour propager ta parole à une vitesse extraordinaire. Accorde-nous la grâce par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de ton esprit d'être ces vous-vous-ouleurs, vous-vous-éleurs, d'être ces vous-vous-éleurs, d'être ces propagandistes, d'être ces bannières qui transportent ta parole. Parce que ton sang a coulé. Seigneur, prends tout de moi. Tu peux juste faire ta prière. Là, c'est pas mes mots. Est-ce que tu peux? Là, j'entends. Je dis avec tes mots. Pour que tu ne dises pas que je t'ai fait répéter. Prends cet engagement personnel. Prends-le. Que Seigneur, fais-moi réaliser que ce sang n'a pas été versé juste pour moi. Mais qu'il y a encore des brebis qui sont en dehors de la bergerie. Il y a encore des brebis. Bien-aimés, il y a des Macédoniens qui crient et qui attendent juste que toi, tu te lèves. La Bible dit, mais comment entendront-ils parler si personne n'est envoyé? Il y a des gens qui, dans ton environnement même. Ah, Seigneur, ouvre nos yeux. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, ouvre mes yeux. Que je puisse voir la misère du monde. Que je puisse voir la misère du monde. Que je puisse sentir ta douleur. Que je puisse sentir ta douleur. Que je puisse sentir ta douleur. Que je puisse sentir comment ton cœur me presse. Comment mon corps et mon cœur est pressé par toi. À cause des âmes qui vont chaque jour en enfer. À cause des âmes qui vont chaque jour en enfer. À cause des âmes qui vont chaque jour en enfer. Il y en a qui vont chaque jour en enfer. Bien aimé, de la même façon que chaque jour Dieu a un plan pour l'humanité. Bien aimé, chaque jour Satan a un plan de perdition. Ah Seigneur, il a un plan de perdition. Ah, chaque jour Satan a prévu un nombre d'âmes qui doivent quitter la terre et qui doivent le rejoindre en enfer. Non, entends le cri du Père. Entends le cœur du Père. Fais-moi entendre. Oh, fais-moi entendre. Papa, fais-moi entendre. Fais-moi entendre. Ton cœur. Fais-moi entendre. Les battements de ton cœur. Fais-moi entendre les battements de ton cœur. Fais-moi entendre les battements de ton cœur. Fais-moi entendre les battements de ton cœur. Fais-moi entendre. Je cherche une femme qui se tienne à la brèche. Il y a encore trop de brebis en dehors de la bergerie. Ils sont trop nombreux. Les battements de ton cœur. Fais-moi entendre. Fais-moi entendre. Les battements de ton cœur.
parole, c'est pour dire que nous avons la volonté. Et la capacité, elle vient de toi. Elle vient de toi. Elle vient de toi. Capable de répondre à l'appel. Seigneur, mon Papa, ton sang a coulé. La puissance de ton sang nous fait nous lever. Que la puissance de ton sang nous fasse nous lever. Que la puissance de ton sang nous fasse aller. Que la puissance de ton sang nous fasse aller. C'est pour cela que ton sang a été versé. Tu m'as rendu capable par ton sang. Que la puissance de ton sang. Tu verras qu'il y a des choses dans ta vie qui vont sortir sans prière, sans imposition des mains. Parce que la puissance du Saint est active. Elle est réelle. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Seigneur, merci. Merci pour la conscience et la puissance du sang. Merci pour la conscience et la puissance du sacrifice. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce que tu as fait encore ce soir. Merci pour ce que tu as fait ce soir, Saint-Esprit. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Père, je t'en supplie. La fin de ce moment n'est pas la fin de sa présence. Alors, serre, chéris cette présence.
encore adorer. Aspire à plus de lui. Aspire à plus de sa présence. Bien-aimé, il y a une abondance de révélations dans la présence. Va chercher à comprendre. Je te dis, je répète, il y a des choses qui vont partir de ta vie sans imposition. Et si tu fais ça ce soir, alors que demain la veillée, si chacun de nous vient chargé de la conscience du sang, son serviteur, l'apôtre Ivan, le Saint-Esprit va juste couler. Il va juste couler, il va juste couler, il va juste couler. Parce qu'il aura trouvé des cœurs préparés, des cœurs disposés, des cœurs assoiffés, des cœurs adorés, des cœurs attendus. Il aura trouvé. Oh, je prie que demain, ce soit l'embrasement. À cause de la façon dont tu viendras préparer, parce que tes yeux se seront ouverts. Tu vas dire, Saint-Esprit, enseigne-moi. Il va t'enseigner. Et quand tu viendras demain, tu viendras avec une sainte colère en disant, tu ne restes. Oh! Seigneur, nous recommandons cette veillée de demain. Nous recommandons, élevons la voix pour prier pour son serviteur. Vraiment, prions pour lui, élevons la voix là où tu es, en présentiel ou en connecté. Prenons le temps de prier pour son serviteur. Que Dieu le porte demain. Que l'Esprit de Dieu. Ah, Seigneur, nous prions. Nous venons recommander ton serviteur, Seigneur. Cette veillée que tu lui as inspirée. Oh Dieu, nous ne savons pas comment tu vas faire. Mais nous venons le recommander à ta grâce. Ah Seigneur, nous prions que tu le fortifies dans son corps. Que Seigneur, tu le vivifies. Ah Seigneur, que demain il soit porté par toi. Que là où il pouvait se sentir faible au Saint-Esprit, que là où il pouvait se sentir fatigué, Esprit de force, est-ce que tu es en train de demander à l'Esprit de force de savoir son serviteur, qu'il soit saint d'Esprit de force? Ah Seigneur, nous prions que l'apôtre Ivan soit saint d'esprit de force et de puissance, d'esprit de force et de puissance, d'esprit de force et de puissance, que tu le vivifies dans son corps. Ah Seigneur, que tu télécharges tout ce que tu veux déverser dans ton peuple demain. Seigneur, il est ton instrument. Il est ton instrument. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier que le Seigneur le conduise? Seigneur, qu'il soit ce canal par lequel tu procèdes, par lequel, Seigneur, ah Père, tu manifestes tes prodiges. Alors que ton peuple viendra assoiffé, alors que ton peuple sera dans l'expectative, alors que les cœurs auront été préparés pendant ces 6 premières nuits. Ah Seigneur, demain, que par ton serviteur, ah Seigneur, que ce lieu soit une fournaise par l'Esprit. Ah Seigneur, agis au travers de ton serviteur et que tu embrasses les vies par ton Saint-Esprit, que la puissance du sang, ah que la puissance du sang parle encore demain par ton serviteur. Oins-le, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Ah Seigneur, que demain les captifs soient libérés. Ah, et que demain, Seigneur, demain, les cœurs brisés soient guéris. Merci. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et l'intimité avec le Saint-Esprit, soit notre partage, ton partage, mon partage, toi qui es connecté, présentiel. Acclame le Seigneur, acclame celui qui fait ces choses, acclame celui qui fait ces choses. Excellent retour à tous, nous nous retrouvons ici demain à 22h, à 22h, par la grâce de Dieu, attends.
Attendons-nous à lui. Attendons-nous à ce que sa grâce soit déversée et que Satan soit humilié.